Bonsoir à tous les amis Spirinautes. Bon, comme d'habitude, je suis en retard, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous fassiez votre méditation à l'heure de la nouvelle lune, comme je le rappelle, qui aura lieu ce soir, donc à 22h15, 16. Je recommande évidemment de commencer une méditation vers 21h40 environ, hein. Et de terminer au moins 10 minutes, c'est-à-dire vers 21h, 22h25, pour avoir bien le passage de nouvelle lune au milieu ou vers la fin, de manière à s'être bien préparé intérieurement. Voilà, c'est le plus important, c'est de pouvoir participer à l'énergie qui va se répandre au moment de cette nouvelle lune. Une partie vient des astres même et du thème astral, l'autre partie vient de notre pensée, de notre conscience, de notre esprit, diraient les bouddhistes tibétains. Donc il est très important de faire sa partie, hein. N'attendez pas que tout vienne, tout tombe tout cru du ciel, surtout que là, il risque de tomber autre chose que du positif. Donc c'est à nous de créer le positif au moment même où la graine se plante. C'est à nous d'être les jardiniers de notre conscience et de faire en sorte que les choses aient une chance de tourner dans la bonne direction, ce qui est désormais la seule solution possible, parce que si on compte sur les capitaines du bateau pour nous faire éviter la catastrophe, voilà, ça rappelle l'orchestre du Titanic, quoi. Ayez confiance. Bon, bref. Ça ne peut pas couler. Donc, reprenons elle a lieu à 12h40 du Scorpion, donc c'est une nouvelle lune du Scorpion. Alors le Scorpion c'est un signe très spécial parce que c'est un signe, j'explique tout souvent ça aux gens, oh, il a mauvaise réputation parce qu'on le voit comme négatif. Non, il y a des Scorpions très très positifs, comme dans tous les signes, voilà, j'ai toujours aux gens, quel que soit leur signe, je leur dis vous avez l'un des 12 meilleurs signes du zodiaque. Voilà, c'est une forme de blague, mais c'est pour dire il y a toujours du bon dans chaque signe, ça dépend comment on l'utilise. C'est pareil dans la vie ou dans la nature, les plantes, certaines sont des poisons violents, mais à petite dose, elles peuvent guérir des maladies. Donc le Scorpion est un signe dangereux parce qu'il est une frontière entre le monde de l'âme et celui de la personnalité. Après le Scorpion, si on comprend bien l'énergie du Scorpion, on peut rentrer dans le monde de l'âme. Évidemment, voilà, la montée spirituelle du Sagittaire, la nécessité de faire son devoir de disciple, de serviteur de la vie et de la conscience en Capricorne, et puis en Verseau, les connaissances qui en découlent, évidemment en Poisson, même l'illumination qui peut en découler. Mais ça, c'est des promesses qui ne seront pas tenues dans ces quatre derniers signes. Si en Scorpion, il n'y a pas ce revirement, cette conversion, ce retournement de la conscience, où on comprend enfin que toutes nos tensions, nos difficultés, en fait, viennent de croyances, de systèmes, de processus qui sont installés à l'intérieur de nous et qui ne sont pas nous-mêmes. C'est ça qui est important de comprendre. Ce n'est pas nous-mêmes. Nous sommes celui qui peut les voir, qui peut les démasquer, qui peut aller au-delà. Mais nous ne sommes pas le résultat de ces conditionnements, de ces blocages émotionnels, de ces névroses ou de ces normoses aussi. Ou parfois de ces psychoses. Alors là, c'est plus dangereux et plus difficile à le dépasser, bien sûr. Il faut être aidé. Voilà. Donc cette puissance de cette nouvelle lune, elle est d'autant plus forte qu'en Scorpion, qu'elle est conjointe à Mars, qui lui est en domicile en Scorpion, Mars adore être en Scorpion, c'est son signe, on va dire, avec le Bélier. Le Bélier est au milieu du ciel, de cette conjonction, enfin en France en tout cas. Donc on voit que c'est très martien. Et c'est exactement, mais alors au pile poil, au dixième de degré près, moins que ça même, c'est exactement cette nouvelle lune opposée à Uranus qui est en taureau, qui lui, en taureau, est en chute. Donc pas du tout à son aise, et donc il faut comprendre bien qu'est-ce que c'est que le taureau si on veut dépasser cet Uranus négatif, cette négativité d'Uranus, parce que Uranus n'est pas forcément négatif parce qu'il est en chute, il est forcément négatif en taureau, si on ne fait pas le travail de dépasser l'aspect lourd, opaque, matérialiste du taureau, pour aller vers le côté Gaïa, nature, compréhension des liens que nous avons avec la vie, avec un grand V, et comment nous devons conserver par l'amour, par la conscience, ces liens avec la vie,
pour la rendre pérenne, au moins. Sinon, créatrice et même, comment dire, génératrice de nouvelles consciences. Ça, c'est les dimensions encore plus hautes du taureau. Bon, donc Uranus peut proposer cette dimension plus haute du taureau, à condition de dépasser son aspect lourd. Alors, bon, pour se rappeler les aspects lourds du taureau, ben voilà, il suffit de se mettre en mémoire ce qui s'est passé quand Uranus était en taureau à chaque fois. Il suffit de remonter de 84 ans, donc vous partez du moment où il est rentré en taureau, c'est en 2018, voilà, 2019, je me rappelle même plus. Ou le vilain astrologue qui se rappelle plus, enfin c'est pas grave. Vous remontez 84 ans en arrière à chaque fois, et vous savez ce qui s'est passé. Bon ben, on voit qu'Uranus est rentré en taureau, donc dans la période de 35-36 à peu près, 84, oui, c'est ça, ça nous fait 2019-2020, je crois que c'est ça. Et donc, il reste 7 ans à chaque fois dans le signe. Bon, si on rajoute 1935 plus 7, on voit très bien qu'on passe par une période extrêmement noire de notre humanité. Et au moment où il rentre en Gémeaux, on a le revirement de la Deuxième Guerre mondiale qui va permettre aux Alliés de triompher, alors que normalement, ça aurait dû, d'après les forces en présence, être les forces de l'Axe qui triomphent. Donc, ça a été la montée en guerre des forces de l'Axe qui a eu lieu pendant ce moment-là. Voilà. Avec au passage des dirigeants qui se sont installés. J'avais déjà signalé que l'élection de Trump avait eu lieu exactement les 84 ans, pile poil après l'élection de Hitler. Et que, alors évidemment, c'est pas à chaque fois la même chose, c'est simplement des indices. Attention, nous avons la nouvelle donne de la chute d'Uranus. Or, nous sommes dans l'ère du Verseau depuis 67, d'après mes calculs, et donc, qui sont très très précis, beaucoup plus précis que ceux de beaucoup d'astrologues, et sont surtout très très vérifiés par de multiples mises en difficulté scientifiques que j'organise moi-même pour attaquer une théorie de manière à vérifier si elle est bonne. Une hypothèse doit être vérifiée avant de se transformer en espèce de théorème, quoi, qui va être utilisé ensuite. Sinon, on prend comme théorème n'importe quoi. C'est ce que j'ai jamais voulu faire en astro. Donc, Uranus est un peu le guide de l'entrée en l'ère du Verseau depuis 67. Il a déclenché ces espèces de mouvements de jeunesse, de mouvements de nouveauté, cette accélération technologique, tout ça. Et en taureau, son aspect le plus négatif, c'est-à-dire la technoscience, est vraiment très, très, très très animé, agité, sans qu'il n'y ait plus cet élan justement du renouveau, d'une nouvelle ère de fraternité, qui lui est mis en sourdine, puisque le taureau est un peu carré au Verseau. Néanmoins, on a deux planètes en Verseau, qui sont Jupiter et Saturne, toujours, qui se transportent en Verseau. Donc on a un grand carré là, Scorpion, Uranus en taureau, Jupiter, Saturne en Verseau. On a donc bien un moment de tension maximale dans la crise que nous sommes en train de traverser. Donc, d'où le titre un peu bizarre que j'ai donné ce mois-ci, le mois de novembre, le mois noir, misdu, comme disent les Bretons, le mois noir, où le mois roi nie l'âme par la peur et la mort. C'est bien les accents négatifs du Scorpion qui sont très très forts ce mois-ci. Mais l'amour de l'âme, si on sait ce que c'est, l'amour de l'âme, reine, elle, la vraie reine, renie le moi, moi qui est le monarque menteur, par la foi dans le vrai soi, le seul vrai soi. Donc on a deux, selon qu'on a le Scorpion en bas, le moi roi qui nie l'âme par la peur et par la mort, là, on est dans l'aspect bas de cette position au soleil Uranus. Il faut pas oublier que la nouvelle lune est en Scorpion. La lune est également en chute en Scorpion. Donc on a un aspect extrêmement négatif, hein, qui est touché en carré par Saturne et Jupiter, qui sont dans une conjonction très très large, mais qui, si on fait leur mi-point, la conjonction est exacte avec cet axe soleil Uranus. Même sans ça, il y a un carré Saturne Mars qui est exact aussi, qui indique sa force, ça c'est brutal, ça entre ce qu'on veut et le pouvoir, il y a une tension énorme. Et donc voilà, c'est un schéma extrêmement dangereux. Et par contre, si on le prend au niveau supérieur, c'est-à-dire qu'une opposition comme celle d'Uranus à cette conjonction, j'appelle toujours les oppositions saturniennes, c'est-à-dire elles exigent de nous de prendre conscience. Hein, et bien là, de vraiment voir quelle est la vérité dans une situation.
Et parce que là où il y a la vérité, il y a la solution. Hein. Tant que vous croyez à des mensonges, de toute façon, qu'ils soient d'ailleurs venant de l'État ou de certains complotistes aussi, qui voilà, il y a les deux. Hein. Bon, évidemment, les mensonges d'État sont quand même beaucoup plus graves puisqu'ils organisent des campagnes de propagande vous voyez de quoi je veux parler, et qui peuvent être complètement effrayantes parce qu'on ne tient plus compte de la réalité tellement on s'est enfoncé dans la certitude ou dans l'autoritarisme. Et petit à petit, on perd la démocratie. Donc ça, c'est extrêmement grave. Mais l'autre dimension supérieure, c'est que l'amour de l'âme reine. Alors, c'est ce qu'on peut appeler la vraie reine en nous, c'est l'âme. Mais qui connaît son âme? Peu de gens, très très peu de gens. Il faut avoir pratiqué la méditation tous les jours, même de courte durée, mais tous les jours, pour que tout d'un coup, cette connexion à l'âme se fasse et qu'elle commence à apparaître. Et quand on vit la connexion à l'âme, on sait bien que c'est pas du tout une croyance religieuse ou quelque chose qui serait une théorie dogmatique ou idéologique selon qu'on appartient au bouddhisme ou au christianisme ou à l'hindouisme, etc. Enfin bon, il y a pas besoin de isme. L'isme, vous savez, l'isme, c'est un petit banc de terre qui relie une île à la terre. L'isme, c'est la méditation. Il n'y a pas besoin d'idéologie, tout ça. Le véritable isme, c'est votre méditation. À ce moment-là, vous n'avez plus besoin de tous ces bouts d'isme, avec des ismes, des idéologismes, terrorisme, étatisme, complotisme. Tous ces ismes ne servent plus à rien, parce que l'isme, vous le créez en vous, entre la terre ferme de votre vie concrète et plus loin, l'âme, qui est comme une île toute seule dans l'océan de l'inconscient, et puis là, qui est reliée par cette île. Donc, on peut y aller à pied ferme grâce à la méditation. Alors, ça ne vient pas tout de suite, hein. Il faut des mois de méditation pour que ce lien commence à se solidifier, comme l'isthme qui apparaît à marée basse dans certains coins de Bretagne. Ah, mais bon, il apparaît bel et bien. Une fois que vous parcourez cet isthme pour aller sur l'île et que vous en revenez sain et sauf et que vous voulez parcourir à chaque fois, vous vous rendez compte que c'est une réalité existante, ce qu'avait dit Jung. C'est pas du tout une illusion. L'âme existe bel et bien et c'est pas l'émotionnel, c'est pas notre sensibilité, comme le disent certains. Ça, même si la sensibilité permet aussi d'y aller, mais ce n'est absolument pas équivalent. Faut être précis avec les mots, hein. Albert Camus disait, mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde. Ne confondons pas l'intuition et la sensibilité. Sinon, toutes les femmes seraient intuitives. Or, ce n'est pas le cas. Ou les gens hypersensibles, dont je fais partie, seraient tous intuitifs. Or, ce n'est pas le cas. Et on peut être hypersensible, ou plein de valeurs féminines, ou de capacités féminines en soi, et rater le coche de l'intuition, parce que l'intuition dépend de notre connexion à l'âme. Bon. Voilà. Pour clarifier tout ça. Donc je continue, aspect dangereux, donc alors faut essayer de reprendre. Alors, j'avais dit il y a trois stades, hein. Donc faut bien comprendre que cette année est très très importante. L'année 2021, elle va se terminer bientôt, mais elle est pas encore finie, la partie la plus difficile est en train d'avoir se jouer maintenant. D'après mes calculs, alors contrairement à des gens qui me disent ah oui, c'est 21, voilà, 2021, c'est le monde. Oui, on peut jouer un peu avec ça. Moi je prends vraiment des systèmes en entier qui permettent d'avoir des vrais chiffres ésotériques, les chiffres cachés. Et l'année 2021, c'est une année du point de vue spirituel qui est l'année 10, donc l'arcane 10, la roue de fortune, et l'arcane 11, la force du point de vue des événements auxquels on est confronté. Donc 10 et 11, selon le point de vue où on se place. Et de même, cette année, elle est reliée au scorpion. Hein. Or, on est dans la nouvelle du scorpion. Donc, la vraie, notre clé de l'année, on croit l'avoir rencontrée ces derniers mois. Ben non, c'est encore, on n'a pas vu le pire encore, c'est ce mois-ci. Donc, il faut être très, très patient observateur. Ne pas s'énerver, ne pas stresser, ça sert à rien, parce que le temps est venu que tout ce qui est négatif, que les diables sortent du trou, hein, que la négativité se donne à plein pour que nous la voyons. Pour que nous apprenions aussi à étudier d'où elle vient et pourquoi. Parce que c'est pas le tout de dire, ah, c'est la catastrophe, tout ça, mais voir pourquoi, qui a créé ça. Et en même temps que le mal ou le négatif se révèle, ses racines, ses causes apparaissent en même temps. Et c'est ça qu'il faut étudier, parce que les mêmes causes donneront toujours les mêmes effets. Or, si on se coupe pas des causes, on n'aura jamais la guérison. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce mois de... Je rappelle que le carré Saturne-Uranus, qui est la grande note clé que j'avais donnée, réécoutez bien les prévisions de l'année 2021, elles sont toujours valables, hein, tant qu'on n'est pas passé à 2022. Elles ont été classées par saison, par quatre saisons. Donc intéressez-vous à celle de l'automne et vous aurez des révélations si vous n'avez pas encore compris. J'ai pas le temps de donner ça maintenant. Là, ça a déjà été fait, donc je répète pas non plus. Hein.
Mais février 2021, c'était le premier passage. Ensuite, il y a eu juin, le passage rentre en relation. Il fallait réfléchir à ce qui est en train de se passer. Cet été qui a été très spécial, on est sorti de la démocratie pour rentrer dans une dictature médico-scientifique, techno-scientifique, ou techno-chimique, vous dites ce que vous voulez, mais enfin, en gros, c'est ça. Sous des prétextes souvent faux, parce que même si cette épidémie évidemment existe, hein, je fais pas partie de ceux qui disent qu'elle n'existe pas, mais il faut trouver les vrais moyens de la confronter. Or, quand on prend le risque de tuer des gens sains pour couvrir une protection collective dont on n'a aucune garantie, puisque si vous adressez, je sais pas, vous allez voir les sites du docteur Louis Fouché par exemple, qui est quelqu'un qui dit à peu près la même chose que moi, qui le dit depuis moins longtemps bien sûr, mais enfin bon, comme lui, il est connu sur Internet parce qu'il est docteur et puis il sait de quoi il parle du point de vue de la médecine. Vous avez à peu près le même discours que je porte, donc il n'y a pas de problème, hein, que je porte depuis environ 20 ans. Je recommande pas d'ailleurs tout ce que disent tous les complotistes, hein. Il y a beaucoup de sites avec lesquels je suis pas en accord. Je m'arrête vite quand je les écoute. Bon, vous le savez, la dernière fois que j'ai envoyé des petits MP3, ça parlait bien de ce qui est valable d'entendre. Et le dernier passage, donc, de cette carrée Saturne-Uranus, cette fois, faudra avoir compris la leçon en trois phases. Février, l'été. Et puis ensuite, Noël. Donc là, on est, Noël, il y aura à nouveau une nouvelle lune, hein, en Sagittaire. Donc, les deux dernières nouvelles lunes de l'année sont très importantes, celle du Scorpion et celle du Sagittaire. C'est celles qui vont nous demander de comprendre, de passer cette épreuve initiatique du Scorpion et de faire notre conversion intérieure vers le monde de l'âme, parce que c'est dans ce monde de l'âme qu'on va avoir un mental clair, des solutions réelles. Tant qu'on est dans le monde du mental, seule la peur peut dominer face à un phénomène aussi dangereux. Alors, il y en a qui ont peur du Covid, d'autres qui ont peur des vaccins, d'autres qui ont peur de la perte de la démocratie. Je dis pas que ces peurs, aucune des trois sont illusoires. On est bien dans un année scorpion, on est bien mis en face de choses bien réelles. Donc, mais est-ce que la réponse est la peur? C'est ça que moi je veux vous inviter à réfléchir. Parce que si vous répondez par la peur, vous répondez par le stress. Et le stress, c'est bien connu, fait faire n'importe quoi. Il vous amène dans une direction du mental qui est le mental conditionné. Plus vous êtes stressé, plus c'est vos automatismes conditionnés qui vont fonctionner et non pas votre relation à l'âme. Plus vous calmez, vous descendez en méditation, plus vous vous posez, plus tout d'un coup, le stress, l'angoisse, l'anxiété s'arrête et vous commencez à ouvrir votre conscience. Et c'est l'autre cerveau, le cerveau donc droite, qui est le vrai cerveau féminin. C'est pas le cerveau des féministes toujours d'ailleurs, parce qu'il y a certaines féministes que j'appelle les fémaonistes, hein, qui sont tellement féministes de manière masculine qu'en fait elles perdent cet accès au vrai féminin, qui est l'aspect de réceptivité, de passivité tranquille, qui est la méditation, et qui vous permet pour une femme d'ailleurs de devenir vraiment féminine, c'est-à-dire de contacter, non pas féminine aux yeux des hommes, hein, ça n'a rien à voir, mais féminine au sens de contacter l'immense sensibilité qu'elle contient, qui est une force, hein, si on la respecte et qu'on n'en fait pas un slogan agressif. Et je dis pas qu'il faut se battre pour le droit des femmes, ça c'est évident, mais voilà, ouais, vous voyez de qui je parle quelquefois, de gens qui perdent leur féminité pour défendre les femmes. Bon, évidemment, c'est un peu dommage, ça loupe, on passe à côté. La nature et le féminin, si on prend le cosmos entier, la nature c'est le féminin, donc c'est le corps en nous, et le masculin va être le ciel, le père ciel, la mère terre, le père ciel, c'est-à-dire la partie qui est liée au mental. Mais ça ne veut pas dire que les femmes n'ont pas de mental ou les hommes n'ont pas de corps, évidemment, au contraire, on doit tout le monde doit intégrer son féminin et masculin ensemble, sinon on n'est pas des humains complets. Même si on est un homme, on doit apprendre à trouver son féminin à l'intérieur de soi, pas seulement à l'extérieur en bavant devant des images porno. Ça, c'est pas vrai féminin. Bon, bref, je ferme cette parenthèse. Donc, il va falloir comprendre ce que veut dire le scorpion. J'en parlais, le sexe, la mort, le mystère et la relation avec le religieux ou l'âme. Tout ça, c'est du scorpion. On voit que c'est un sujet difficile. Je vais peut-être faire un autre petit enregistrement parce que je veux pas qu'il soit trop long, il faut qu'il passe. Donc voilà le premier enregistrement qui nous indique que nous sommes dans ce passage difficile et bien que ce carré Saturne-Uranus n'ait lieu qu'en décembre, il est ravivé à fond par cette opposition Scorpion-Taureau, parce qu'elle est carrée au mi-point Jupiter-Saturne qui est vraiment le centre du Verseau,
Et donc, et le gens qui ont une planète aussi au centre du Lion sont touchés aussi. Donc, tous les signes fixes, Lion, Scorpion, Verseau, Taureau, sont touchés vraiment au cœur, j'ai envie de dire, vraiment au cœur physique même, par cette force-là. Et derrière, il y a des obligations, il y a des risques d'obligations sanitaires, antidémocratiques, il y a des risques de guerre même, n'ayons pas peur, il y a des tensions internationales extrêmement fortes, il y a des décisions à prendre avec la COP26 et Glasgow. Tout ça a lieu au même moment, après le G20, où ils ont décidé de faire des choses qui les arrangent au niveau financier surtout, mais en faisant un peu, en verdissant tout ça au passage, j'ai jamais cru que ces G20 et puis sortaient quoi que ce soit de bon. Mais néanmoins, il y a quand même une conscience qui s'est généralisée, même chez les pires capitalistes, que on va peut-être faire crever la planète et qu'on n'a pas de planète B. Donc ça, c'est déjà bon. Donc j'ai un peu recalé le thème dans l'espace actuel. Il est intéressant de revenir, puisqu'il faut reparler de ce carré Saturne-Uranus au précédent carré. Alors, déjà, il faut situer un carré dans le cycle dans lequel il appartient. Le carré Saturne-Uranus appartient au cycle qui a été commencé en 1989. Donc, vous voyez, c'est pas récent du tout. Mais on ne peut pas comprendre ce qui se passe actuellement si on ne comprend pas ce qui s'est passé en 1989. Bon, tout le monde se rappelle, chute du mur à Berlin, qui a engendré ensuite la mort de l'URSS en tant que système. Mais en 89, il s'est pas passé que ça. Bon, il y a eu aussi à l'inverse, ça c'était quelque chose qui pouvait être joyeux, c'est-à-dire le bloc de l'Est qui tombait, on pouvait voir ça comme une libération. C'est qu'après, il n'en a rien été. Ça a été la prédation par les vautours néolibéraux sous la présidence d'Eltsine, où la mafia russe unie avec le néolibéralisme occidental a fabriqué une espèce de prédation totale de toute la Russie soviétique. Bon. Et libération donc momentanée qui a duré à peine un an, de 89 à 90, mais qui a créé une grande joie quand même chez des peuples qui étaient quand même opprimés par un système complètement collectiviste, affreux, qu'on va peut-être expérimenter mondialement actuellement. Bon, ça n'a pas marché partout. Je rappelle que la place Tiananmen, c'est le moment où il y a une répression féroce du même mouvement de libération du peuple chinois qui est écrasé dans le sang et dans une horreur absolue. Si un Chinois tape Tiananmen dans son propre pays, il n'a aucun accès à cette information-là. C'est-à-dire qu'il ne connaît même pas sa mémoire datant d'à peine d'une trentaine d'années, quoi. C'est quand même sidérant, quoi. Que un milliard de gens, en gros, soient, bien qu'ils aient l'internet et le droit d'acheter tout ce qu'ils veulent par Bao, je sais plus quoi, de leur site, Alibaba ou je sais plus quoi, enfin des trucs chinois, quoi. Huawei, tout ça, une des civilisations les plus avancées actuellement. Mais ils ne sont même pas au courant de ce qui s'est passé dans leur propre pays il y a 30 ans, quoi. Ils n'ont pas le droit de le savoir. Il y a Big Brother is watching you, quoi. Bon, c'est intéressant de voir qu'il y a eu ce double mouvement qui a pu nous paraître une fin de l'URSS, quelque chose de complètement satanique qu'on pourrait dire qui s'arrête, quoi, mais remplacé par la victoire de la force opposée qui était tout aussi satanique. Je rappelle que dans certaines prophéties de l'Apocalypse, on dit que le dragon a deux têtes qui se battent l'une contre l'autre. C'est dit aussi par Merlin l'Enchanteur dans les messages de la table ronde. Enfin, tout ça représente bien ces deux forces, URSS et USA, qui sont les mêmes dragons, qui sont dragons que moi j'appelle du collectivisme, du technoscientisme, qui sont les grandes forces dominantes de nos systèmes. Et évidemment, quand l'une des têtes bouffe l'autre, la tête du dragon peut renaître. Et qu'est-ce qui est, une fois l'URSS mort, ben, la Russie est bouffée, si on veut, par le néolibéralisme, et l'autre dragon, lui, survit, c'est la place Tiananmen, et c'est la Chine, et donc, et le délire continue, quoi. Donc, on n'a pas tué le dragon au cœur, on s'est contenté de couper une tête qui repousse aussitôt. Bon, voilà. Donc ça, c'était pour cet aspect de cette conjonction. C'est marrant parce qu'en 89, c'est aussi le premier rapport du GIEC qui prouve que le CO2 est bien d'origine humaine.
anthropique, comme on dit maintenant. Et donc, vous voyez qu'on en fait un grand ramdam depuis quelques années, à l'issue justement de ce dernier carré. Mais au premier carré, qui a lieu en 99, ça avait déjà été dit. Or, on a tous les climato-sceptiques qui ont chanté encore des âneries pour faire croire, oui, soit c'était les rayons du soleil qui augmentaient, soit des poussières cosmiques nous avaient séparés de rayons... Enfin, on peut dire n'importe quoi avec un air très scientifique. Récemment, je vois des gens, ça m'attriste complètement, voilà, qui sont en train de... d'avoir découvert que la Terre est plate, c'est génial, quoi. Tu dis avec des preuves scientifiques, on peut le trouver sur Internet, c'est incroyable. Bon, si vous connaissez pas la science en profondeur, évidemment, vous vous faites rouler dans la farine, mais c'est effarant. Que je connais des gens qui font de l'ésotérisme à haut niveau, enfin, au niveau qui sont, oui, enfin, qui ont écrit des livres au moins, quoi, donc qui sont pas débiles et qui sont capables d'avaler des démonstrations comme celle-là. Enfin, des démonstrations comme ça, il y en a eu plein. Il y en a eu plein au moment du 11 septembre aussi, il y a des trucs. Bon. Alors, on passe à côté de l'essentiel, quoi. C'est très dommage, mais bon, c'est comme ça. Alors, c'est l'année aussi des droits de l'enfant, hein. C'est pas mal. Bon, ils nous ont été fortement rappelés, les droits de l'enfant, récemment, avec ce qui s'est passé dans l'église. Bon, voilà. Je vous fais pas de dessin, vous vous rappelez. C'est aussi le moment où il y a eu les premières fatwas de Khomeini, fatwas de mort, quoi. Au nom du Coran, on va condamner à mort des gens. Comme toutes les religions, il y a une racine de compassion, de miséricorde, de pitié, enfin vous appelez ça comme vous voulez, selon chaque religion. Disons que l'amour est quand même dominant dans chaque religion. Seulement il y a des gens qui sont capables de lire leur texte sacré d'une manière complètement tordue. Alors c'est pas la peine d'accuser le Coran, parce que on n'est pas les derniers, nous non plus, avec la Bible et l'Évangile, pour avoir tué des milliers de guérisseuses. Les guérisseurs existaient, mais c'était surtout les guérisseuses qui étaient attaquées, allez savoir pourquoi, qui ont été appelées sorcières et qui ont été brûlées pendant l'Inquisition. Donc l'Inquisition actuelle, elle a lieu bizarrement 13-14 siècles après le message de Mahomet. Si on compte 13-14 siècles après notre propre message du Christ, on a le même. Donc on est bien dans un cycle de 150 ans à peu près, où selon l'endroit du cycle où vous démarrez, vous trouvez la même crise au même endroit du cycle, hein, 13 siècles après. Donc ça, c'est encore une preuve que ce sont bien des cycles. Et donc ça vient pas du Coran lui-même, ça vient de l'imbécilité de ceux qui l'interprètent, en ne comprenant pas ce qui est le pourquoi de ce qui était dit. Voilà, comme le droit de porter un voile pour les plus pauvres. Quand ils allaient à la Mecque, par exemple, dans le peuple ancien des Bédouins, si les plus pauvres ne pouvant pas porter, ils devaient changer d'habit pour dire que c'était purifié. Comme ils n'avaient pas de quoi payer leurs habits, ils devaient sortir à poil, quoi. Puisqu'il fallait vraiment détruire les vieux habits, ce qui voulait dire qu'on détruisait l'ancienne peau du moi pour rentrer dans le monde de l'âme, quoi. C'était un très beau message. Donc, et les femmes, évidemment, il y avait des gens qui assistaient à la sortie de la Mecque pour voir les femmes pauvres, puisqu'elles étaient obligées de sortir à poil. Mahomet, il a dit, bon non, qu'ils aient le droit au moins d'être voilés. Hein, voilà. Donc il y a eu des voiles gratuits qui ont été distribués aux plus pauvres pour permettre aux femmes d'être voilées. Donc, maintenant, on dit que c'est une obligation. C'est incroyable, c'est des détournements. Toutes les religions ont eu des détournements comme ça, des faux messages. Ce qui était un droit est devenu un devoir, et après une obligation, et carrément un interdit de faire autrement. On voit ça avec les talibans actuellement. Ce sont des ânes, c'est tout. Ils comprennent rien à leur propre religion, ils sont en train de la professer aux autres. Mais ça, c'est partout. C'est comme les gens, les complotistes qui professent leur manière de comprendre en quoi on est dans une tromperie, d'une propagande horrible, ce qui est vrai, mais ils expliquent avec une propagande tout aussi débile. Donc, les ânes parlent aux ânes, quoi. Comment on va faire, quoi? Comment on va sortir de là? C'est vraiment le scorpion, quoi. Donc voilà, rappel des crises de cette phase de ce cycle qui a commencé en 89 et qui dure à peu près 45 ans à peu près. Oui, c'est ça, à peu près, ouais. Donc c'est un peu quelque chose qui nous demande de voir le nouveau monde dans lequel on est rentré. Si ça dure 45 ans, on voit bien que le cycle précédent a démarré pendant la Deuxième Guerre mondiale, et donc on avait
on n'avait pas encore démarré, on était encore en train de terminer l'ancien monde, quoi. On était en pleine guerre encore, on ne savait pas qui de force de l'Axe ou des Alliés allait gagner. Donc là, on a la première conjonction qui nous fait rentrer dans le monde de l'ère du Verseau, puisque c'est les deux planètes de l'ère du Verseau, elle a lieu en 89. Alors, il y en a qui ont dit oui, donc l'ère du Verseau commence en 89. Non, c'est 67. Mais ça ne se calcule pas qu'avec un seul élément, il faut croiser plein d'éléments ensemble et faire des calculs sérieux. Donc voilà. Donc, premier carré, 99-2000, on a Poutine qui arrive au pouvoir. Alors, je suis le seul à dire ça, évidemment. Bon, j'espère que ça va être repris. Quant à ceux qui reprennent cette information, ça serait bien de citer aussi les sources. Donc, ça vient de mes prévisions, et de celle de Nostradamus. J'ai rien trouvé tout seul. C'est lui qui annonce le grand roi des frayeurs, descendra tombera du ciel, quoi, en 99, pendant l'éclipse. Il donne la date. Qu'est-ce qui se passe pendant l'éclipse? C'est là que Eltsine choisit Poutine comme successeur. C'est encore le maître du Kremlin, et ce, depuis plus de 20 ans maintenant. C'est effrayant. Donc il est pour le fameux antéchrist dénoncé par Nostradamus, c'est donc bien Poutine. Alors, est-ce que l'antéchrist est une personne? Peut-être pas, c'est peut-être tout un système. En tout cas, il ramène le système de la mafia, le système de l'oligarchie, le système de la religion qui se mélange à l'oligarchie pour créer une dictature, ce qu'on a appelé depuis la démocrature, parce qu'il y a des élections en Russie, hein, qu'il n'y avait pas avant. Et il arrive à se maintenir quand même par les élections, par la manipulation de la propagande, les systèmes du KGB, qui s'appelle maintenant FSB, dont il était l'un des grands maîtres du KGB, donc le grand roi des frayeurs, hein, Nostradamus parlait c'est clair que nous l'autre roche, grand roi des frayeurs, c'était un expert en manipulation mentale, en manipulation de la peur et de la souffrance, pour faire évoluer et voter les gens pour lui malgré qu'il utilise ça comme système. Bon, voilà. Et il utilise ça de manière cachée en jouant aux échecs avec tous les pays du monde. Et il est toujours pas échec et mat, naturellement. Et personne ne voit comment il pousse des pions partout en Moyen-Orient, partout, avec la même technique qu'avaient utilisé les Américains, mais en deux fois plus malin. C'est le malin. Hein. Donc. Alors, je rappelle que au moment de ce carré-là, pour rappeler que les carrés sont martiens et montrent l'aspect négatif, le carré martien, c'est carré montant, l'aspect négatif de cela, ben, il y a eu plusieurs guerres, la guerre du Kosovo, la guerre de l'Afghanistan avec les talibans, qu'est-ce qu'il y avait, une autre guerre ouais, je sais plus, bon, bref. La guerre du Yougoslavie qui démarrait aussi. Enfin bref. Et puis il y avait une autre guerre qui a démarré, celle-là plutôt positive, c'est la guerre de l'intermondialisme contre le système néolibéral qui a commencé. Voyez le film Bienvenue à Seattle, essayez de le trouver sur Internet, c'est super, et vous allez comprendre comment tout ça a démarré. Bienvenue à Seattle, donc qui retrace la naissance de la lutte intermondialisme, c'est à ça qu'a dû être biberonné notre chère comment elle s'appelle, la petite Greta Thunberg, voilà, elle a dû être biberonnée à ça, voilà. Ensuite étant née à peu près dans ces années-là. Alors bon, encore une fois l'astro ça marche. Hein. On va l'opposition, donc elle est plutôt saturnienne, donc elle remet les choses en question, et donc elle est plutôt c'est Obama cette fois qui devient président de l'autre côté de l'Atlantique, donc et là il y a eu beaucoup de catastrophes terrestres, hein. Il y a eu des catastrophes uniquement comme si la mère Terre était en colère, Haïti, l'Islande, vous rappelez le volcan d'Islande, et puis des catastrophes par le fait de la bêtise humaine liée à son extractivisme, donc en Hongrie le phénomène des boues rouges qui était vraiment une pollution horrible qui continue d'ailleurs dans la Méditerranée près de Marseille, et puis la Louisiane, les forages profonds, de plus en plus profonds pour chercher du pétrole, sachant que le pic pétrolier avait eu lieu à peu près, avait été annoncé aussi dans le premier carré. Donc on avait un deuxième avertissement, attention, le pétrole, ça va plus du tout. Et j'avais été l'un des premiers à annoncer à l'avance ce pic grâce à l'opposition Proserpine Pluton. Vous savez que j'utilise trois planètes que très peu d'astronomes utilisent, ça m'a permis d'avoir des prévisions très longtemps à l'avance. L'opposition Proserpine Pluton annonçait déjà qu'il avait lieu à partir de 2005, j'avais pu annoncer ça vraiment non. Début des années 2000, qu'on allait vers un pic symbolique qui se manifesterait du point de vue économique sous un
le pic pétrolier, qui n'est pas la fin du pétrole, mais qui est le moment où il devient plus cher de l'extraire que de s'en servir. Et évidemment, ça devient moins rentable et aussitôt, on sera obligé de changer de société. On a mis beaucoup de temps, comme vous le remarquez, pour s'en rendre compte. Et c'est là qu'avec le dernier carré en 2021, tout d'un coup, les appels du GIEC sont enfin entendus. GIEC, dont qui donne son indice en 1989, son indice, et on sait que Total avait des informations venant de ses premières recherches dès 71 aussi, donc un petit peu avant. Donc dans le carré précédent Saturne-Uranus, on avait déjà. Alors on est dans un carré Saturne-Uranus comme celui de 75-76, où il y a eu Saturne qui était en Lion, donc en chute, et Uranus en Scorpion plutôt en exaltation. Là, on a un peu l'inverse, Saturne est en domicile, en Verseau, et c'est Uranus, lui, qui est en chute. Donc, le dernier carré est toujours plutonien. Il faut avoir compris, sinon on s'en prend plein la gueule. C'est ça que nous dit cette leçon. Et là, alors à l'époque, il y a eu un début de libération de pas mal de choses. Mort de Franco, mort de Mao, début des mouvements gauchistes un peu partout, qui quand même et des mouvements des droits de l'homme qui ont commencé à faire un effet. Amnesty International n'a pas été pour rien dans la chute de pas mal de dictatures qui ont commencé à cette époque-là. C'est marrant, comme il y avait également un virus qui s'appelait le virus Ebola qui était apparu à cette époque-là. Il y avait le mouvement punk, une grande négativité aussi possible. Alors maintenant, les punks ont été remplacés par les complotistes très énervés. Et voilà. J'ai rien contre, hein. Je signale que c'est une réaction possible dans les carrés sur Uranus, c'est de se stresser très fort et de devenir assez négatif contre des pouvoirs qui, eux, sont encore plus négatifs mais qu'on dénonce pas. Hein, le punk, oh qu'il est pas beau avec son épingle là, nourrissant l'oreille et ses cheveux en crête et puis ses tatouages. Mais par contre, Madame Thatcher, qui tue des tas de prisonniers irlandais ou qui écrase des grèves dans le sang, elle est bien jolie. Elle, d'après le néolibéralisme, elle est la fierté de l'Angleterre. Ben comme par hasard, c'est le moment où on donne le prix Nobel à Milton Friedman, le chantre du néolibéralisme. Tiens, tiens. Et là, le néolibéralisme commence à monter à fond dans tous les pays parce qu'il a le vent en poupe. Un Nobel, tamponné par un Nobel, vous pensez, c'est merveilleux. Et de l'autre côté de néolibéralisme, qu'est-ce qui grimpe aussi? Ben, c'est l'écologie qui apparaît. Elle est créée un petit peu, il y a un bout de temps. On a fêté le cinquantenaire, vous vous rappelez, de Greenpeace, il n'y a pas bien longtemps. Greenpeace a monté très fort au moment de ce dernier carré de Saturne-Uranus du cycle précédent. Et ils invitaient au monde suivant, avec l'exaltation d'Uranus en Scorpion, on invitait à rentrer vraiment par la négativité militante, une négativité, être contre ce qui est négatif, c'est une forme de négativité, mais positive. Hein, moins par moins, ça fait plus. C'est un peu ce qu'était Greenpeace, des gens un peu chiants pour le système, mais qui évitent que ce système fabrique une négativité immense. Alors, voilà. Bon cinquantenaire, intéressez-vous aux infos de Greenpeace parce qu'elles sont primordiales et ils ont évité tellement de catastrophes qu'on le sait même pas. D'ailleurs, ils le mettent même pas sur leur dépliant. Par exemple, l'arrêt des OGM en Europe dans les années 96-97, c'est grâce à Greenpeace. J'ai pu participer à ça de manière très très forte et c'est fou parce que on le cite pas, quoi. Et donc c'est la lutte antinucléaire qui commence à ce moment-là, parce que le problème nucléaire français commence à fond les ballons, comme on dit, et évidemment on se rend compte que c'est une catastrophe de mettre tous les œufs dans le même panier. Et comme par hasard, au moment du carré Saturne-Uranus qui est maintenant, on voit notre brave monarque qui ressort les mêmes imbécilités du panier, quoi. C'est-à-dire, pour remettre à nouveau les œufs dans le même panier, on va fabriquer des EPR, des petites centrales plus petites pour en disséminer partout, pour qu'il y ait des déchets partout, comme ça se verra moins que si ça pète. Enfin bref, des très très bonnes idées. Bon ben là, je peux pas aller plus loin parce que j'aurais peut-être un truc à dire, mais en gros, ce que j'ai dit, c'est le plus important. Bah, lisez Nexus. Hein. Depuis ces dernières années, ils étaient un peu catastrophistes, mais bon, les faits leur donnent raison. Je vais plus vous lire Yggdrasil, puisque le pouvoir macronien l'a censuré totalement. Hein. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas, ben, essayez d'acheter les numéros, ils existent encore. Hein. Il y a eu 10 numéros géniaux, ils étaient tellement géniaux que le numéro 11 et 12 ont été supprimés par la Cour des comptes, par des magouilles que je vous raconte pas, vraiment très très perverses. C'est la revue qui a été fondée par Pablo Servigne, Gauthier Chapelle, enfin des gens qui sont très intéressants.
Lisez des. Alors, un bouquin qui est sorti qui retrace vraiment ma pensée, parce que je suis obligé de taper dans des bouquins à droite à gauche pour que ça fasse un tout et que ça résume ma pensée, mais j'en trouve rarement qui mettent tout ça ensemble. C'est Stéphane Chauvet aux éditions Yves Michel qui sort Ne vois-tu rien venir, tracer des voies d'avenir, c'est le titre. Ne vois-tu rien venir, sœur Anne. Et ce Stéphane Chauvet, qui est prof de Qigong, je crois. Moi aussi, je fais du Qigong. Donc, c'est vraiment sûrement méditant aussi, d'après ce qu'il dit. Voilà quelqu'un qui a une connexion avec l'âme et qui a une connexion avec l'intellect en même temps, bien fait. Parce qu'il faut les deux à la fois pour pouvoir donner des pistes. Sinon, le purement intellectuel, ça vaut rien. Le purement spirituel, des fois, malheureusement, ça vaut toujours parce que ça, leur lien à l'âme a toujours une action vibratoire. Hein. Même si vous n'êtes pas doué, si vous méditez, vous créez une action vibratoire positive. Mais c'est pas suffisant. On est sur Terre pour agir. Hein. On a un corps, c'est pas pour rien. Donc, se réfugier dans les sphères lumineuses sans qu'il y ait une action. Par contre, une action inspirée par la lumière, elle est 10 fois plus puissante d'une action inspirée par la colère. Hein. Ça, c'est évident. Regardez Martin Luther King, regardez Gandhi, regardez Tolstoï, tout ça, vous avez des effets à long terme, pendant des années, des décennies après, qui ont fait basculer des systèmes entiers. Donc, bon, voilà. Même José Bové ou Pierre Rabhi, c'est des méditants. Hein, ils le revendiquent pas dedans, mais bon, moi je suis un peu au courant. Et donc, voilà. Et regardez l'effet que ça a, leur pensée, elle est posée, elle est claire, elle est limpide, elle permet de faire avancer vraiment le problème. Et alors, pour les livres à lire en science-fiction, en BD, vous avez l'Incal, évidemment, que je recommande, un vieux livre que je recommande toujours, 50 € à la FNAC, l'intégrale de Jodorowsky et Moebius. Excellent. Vous avez des BD drôles comment il s'appelle? Ah! Les catastrophobes de Tronché, il s'appelle, ouais, voilà. Ou le petit guide de l'effondrement aussi. c'est des BD drôles, quoi. Et sinon, une que j'ai entendue, j'ai pas lu son bouquin, Aurélie Trouvé, Le bloc arc-en-ciel, ça m'a l'air bien inspiré, ça ressemble aussi à des choses que je dis, un message que je donne depuis 95. Il semble être un peu contenu dans ce livre-là. En fait, le message que je donne depuis 95, il commence à sortir maintenant, quoi. Alors si vous voulez être au courant de ce message, ben, adressez-vous à moi, mais je ne le mets pas sur Internet volontairement. Voilà. Bah sinon dans les bouquins, j'avais déjà dit Un bonheur insoutenable, d'Ira Levin, qui vous avez Gnomon, G-N-O-M-O-N aussi, qui est un bouquin de science-fiction assez qui retrace assez bien ce qui se passe actuellement, des histoires de dystopie médicale. Vous avez La zone du dehors aussi, de les bouquins de Damasio là, de SF aussi qui sont bien. Enfin bref. Et puis voilà. Donc tout ça pour vous faire comprendre, et alors, dans l'action, étudier les scénarios de Negawatt que je recommande depuis une quinzaine d'années, et puis là qui est en train de ressortir au plein jour pour être aussitôt réenterré par le macronisme. Il est Negawatt qui est nié par la mégawatt, c'est-à-dire les gros cotons dans les oreilles, les gros matelas en coton pour pas voir la réalité, c'est-à-dire continuez à vivre dans du coton et en vous chauffant à 22 degrés dans vos petits apparts et vous allez voir ce qui va vous tomber sur le nez. C'est le n'importe kawak à la place de Negawatt. Donc voilà. Je m'arrête là parce que c'était une inspiration comme ça. Il y aurait plein d'autres trucs à dire. Mais bon, voilà. Le monde du mensonge doit être dénoncé. Faites votre boulot, mais contactez-vous avant la lumière avant de parler. Parce que j'aurais dû faire un peu plus. Là j'ai eu 22 minutes, je peux pas plus faire sinon ça part pas. Merci de m'avoir écouté. Et puis méditez, pratiquez. Balancer de la lumière, et petit à petit, le centième singe, vous connaissez, j'avais déjà annoncé en prophétie ce système-là, c'est du réel, c'est du concret, ça a été prouvé scientifiquement. Si vous êtes assez nombreux, ça marchera. Si vous n'êtes pas assez nombreux à le faire, on aura le karma qu'on doit avoir et qu'on a déjà, malheureusement. Merci de m'avoir écouté. Ayez courage dans ce karma. Le monde nouveau est juste derrière. C'est sans épreuve point d'avancement, disait le père Antoine, un grand être éveillé de occidental. Et il faut ce genre d'épreuve pour qu'on voie le négatif. Et c'est en voyant le négatif qu'on verra où est la lumière. Je dis souvent aux gens en thérapie, il faut s'ouvrir ou souffrir.
Mais souvent, les gens ne veulent pas s'ouvrir parce qu'ils sont, ils vivent dans leur petite watt, hein, le mégawatt, dans le coton, de leur petite certitude, de leur petit confort. Ils veulent pas entendre. Et tout d'un coup, il faut qu'ils en prennent plein la gueule, pour tout d'un coup, qu'ils commencent à entendre ce qui est dit. Donc là, bah, on a souffert. Du coup, on est obligé de souffrir. On s'ouvre, du coup, au tire-bouchon, quoi. Mais c'est bien aussi du moment qu'on s'ouvre. Pas de problème. Bon, eh bien, bienvenue à tous les ouverts pour construire l'ère du Verseau, qui doit passer par cette phase scorpion de purification des imbécilités, des démocratures. Et regardez bien où est l'ombre. Nostradamus nous l'a annoncé. Le porteur de lumière. Il m'est venu en inspiration juste avant cette nouvelle lune quand même. Les enjeux négatifs de l'ère du Verseau, parce que il faut bien en parler maintenant, c'est-à-dire les processus, les silokas dont parlent les bouddhistes, les six plans, les six mondes d'incarnation, et ces silokas peuvent s'interpréter comme six involutions et non pas évolutions vers le mal et l'ignorance dans la psychosociologie de l'humanité. Et ça, c'est très... Donc ça vaudrait une conférence, mais je vais vous en donner un petit aperçu maintenant parce que j'arrive plus à faire de conférences à cause de la maladie qu'on m'a créée par des processus. Et là non plus, c'est pas du complotisme, c'est la réalité. C'est les antennes qui créent ça. Et donc, il n'y a pas besoin d'attendre la 5G, de la 4G m'a créé ça. Moi, j'avais pas de 5G, ça suffit. Donc les EHS sont en train de se multiplier. Des antennes sont mises dans les zones blanches où ils se sont réfugiés. Pour rien, parce que les zones blanches n'étaient pas blanches, on pouvait très bien communiquer quand même, mais non, il met les antennes là, c'est vraiment dans un but qui est plus du tout de HS qui peuvent témoigner que quand ils vivent dans ces zones blanches, ben, ils survivent très très bien. Et donc, c'est la preuve, comme c'est mon cas, que pour l'instant, tant que l'antenne qu'on vient d'installer à côté de chez moi n'est pas allumée, eh bien, on peut très bien survivre sans ondes. Mais évidemment, ça serait la preuve que ce ne sont pas des fous. C'est mieux de les faire subir des ondes à fond la caisse. Et d'après qui tourne fou ou dépressif ou cancéreux, et à ce moment-là, leur affaire est réglée, on les enferme dans une des petites boîtes ou asile psy ou hôpital pour qu'ils soient terminés, puisque tous les hôpitaux sont équipés de wifi tellement fort qu'aucun EHS ne peut être soigné dans un hôpital actuellement. Voilà. Donc, ou alors des précautions qui sont rarement, pas toujours acceptées par les médecins qui ont autre chose à foutre avec le Covid. Voilà, donc on les comprend. Voilà ce qui se passe. Donc c'est un processus d'extermination qui a lieu. N'ayons pas peur des mots. Alors il est soi-disant involontaire de la part des toubibs, de la part de tout ça, mais il a lieu bel et bien pour les EHS puisque personne ne fait rien pour empêcher ces antennes d'être plantées dans les dernières zones blanches en France, qui est l'endroit où sont rassemblées de manière plus ou moins secrète et par leur propre, ils s'auto-déportent même dans des espèces de ghettos, c'est-à-dire les seuls endroits où il n'y a pas d'onde. Et on vient planter une antenne au milieu pour les exterminer puisque on en meurt. Rappelons qu'ils sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le croit. On exagère les chiffres du Covid, mais on diminue énormément les chiffres des EHS. D'après les statistiques suédoises, ils sont à peu près 350 000 en France. C'est énorme. Donc 350 000 personnes vont mourir parce que on ne fait rien pour arrêter ce système d'antennes mises partout, y compris dans les endroits où il n'y en a absolument pas besoin. Voilà petit... Alors, c'est pour ça que je parle de ce mal dans l'humanité. Il y a trois forces pour le mal dans les enseignements ésotériques. Il y a Satan, il y a Ahriman et Lucifer. Souvent, c'est mal compris et c'est le moment d'en parler parce que faut vraiment que vous compreniez comment ça fonctionne. Parce que je vois peut-être une vidéo sur YouTube par mois à cause de ma maladie, je peux pas en regarder plus. Mais je tombe sur des gens qui semblent défendre le message que je défendais depuis une vingtaine d'années. Et quand je tombe dessus, je suis affligé, quoi. Des pseudo lanceurs d'alerte qui ne comprennent pas le problème en entier. Et donc, je vais essayer de, parce que si vous vous battez contre Satan, mais que vous défendez Lucifer, c'est râpé. Si vous vous battez contre Lucifer pour défendre Ahriman, c'est raté aussi. Si vous défendez Ahriman parce que vous luttez contre les Lucifériens, c'est raté aussi. C'est en gros ce qui se passe. Vous allez comprendre comment ça se passe. Il faut bien comprendre les trois ensemble. Sinon, on s'en sort pas. Alors voilà. Satan, si vous voulez, c'est le principe solaire. Il y a trois principes qui mènent l'être humain. C'est les trois principes qui sont entre la Terre et le Soleil, c'est-à-dire le Soleil lui-même, et puis Vénus et Mercure.
Si vous, ces principes, c'est le mouvement de l'être humain qui est sur Terre vers l'âme, vers le soleil. Donc, hein. Et ces trois mouvements, cette échelle vers l'âme, Vénus, Mercure et Soleil, et n'est pas vécue par l'individu, elle est souvent remplacée par un principe. Les principes, on ne peut pas les supprimer, donc c'est leur côté négatif qui apparaît à la place. Donc, le soleil, quel est son aspect négatif? Ça va être justement l'égocentrisme cynique. Ah, tu crois encore là-dedans, hein, tu vois, le côté cynisme, ah, le pauvre, il n'est pas au courant qu'ils sont en train de supprimer l'humanité avec des piquets. Hein. Tu me fais rire, parce que tu crois peut-être ce que dit le gouvernement. Oh là là, le blaireau. Bon, voilà, ça c'est cynisme négatif, il peut être dans l'autre sens. Ah là là, ces pauvres complotistes qui se font laver le cerveau sur Internet par des gens dangereux, liés à la sphère fasciste, alors que nous, on essaye vraiment de vacciner les gens pour sauver les gens. Même chose, égocentrisme cynique, on se dit, on va prendre l'autre pour un con. Voilà, dès que vous prenez les autres vraiment pour des cons, même s'ils le sont, méfiez-vous, parce que vous êtes en train de le devenir aussi. Donc c'est un orgueil pervers, en fait, le principe satanique. Alors attention, n'ayez pas peur, hein. Satan est partout, hein, et pourtant on arrive à vivre. De même Ariman, de même Lucifer, donc ne le prenez pas pour le gros principe du diable vu dans les films fantastiques ou les films d'horreur avec un truc, ou l'exorciste, tout ça, voilà. Ça c'est un peu la peur organisée par le système religieux catholique ou même protestant, ouais, qui crée un Satan complètement horrible, qui fait qu'on l'accuse, on fabrique un monstre à l'extérieur, puis on voit pas qu'en fait on l'a chez soi. Balayer devant votre porte, c'est ce qu'on a demandé, c'est ce qu'a fait le pape François récemment en ouvrant enfin les dossiers cachés sur la pédophilie dans l'Église. Bravo, c'est comme ça qu'on lutte contre Satan. Il est surtout chez ceux qui sont à peu près sûrs d'avoir raison en général. Hein. Quand il n'y a pas de pire misère que de vouloir avoir raison, disait l'un de mes maîtres. C'est là que se niche le pervers orgueilleux, l'égocentriste qui voit le con partout ailleurs sauf en lui. Voilà. Donc évidemment, ça va donner l'attirance pour les faux maîtres, ça va donner l'attirance pour des fanatismes sectaires ou des fanatismes idéologiques, hein, parce qu'il y en a qui vont lutter contre les sectes ou l'idéologie. Moi, je fais partie d'un mouvement anti-secte quand j'étais sur Paris. Bon, il y a de ça pas mal d'années déjà, une quarantaine d'années. Et donc, j'ai voulu participer à la lutte contre les sectes en cherchant les informations et tout ça. Je me suis aperçu que les mouvements qui luttaient contre les sectes étaient eux-mêmes sectaires. C'était effarant. C'est un peu ce qui se passe actuellement. Ceux qui veulent lutter contre les fake news sont eux-mêmes des gens qui transportent d'autres fake news sur un autre plan. Donc on s'en sort plus, quoi. C'est pour ça que des fois, j'ose pas parler ou faire un enregistrement. Je sais pas qui va récupérer ça pour le mettre du côté de sa théorie à la con et le mettre sur YouTube aussitôt pour en faire du pipi de chat, quoi. Essayer de réfléchir, quoi. Moi, si je me trouve le cul, j'ai envie de dire, pour faire pour lancer des alertes, c'est pour que vous y réfléchissiez, pour que vous, mais pas pour que vous, ça devienne quelque chose de pervers à son tour, parce qu'on croit avoir raison. Il faut creuser à l'intérieur de soi, se remettre en question, travailler sur soi. C'est ça la clé. Et donc douter sur vous-même. Mais une fois que vous aurez douté en profondeur avec l'aide de l'âme, avec la méditation, vous tomberez sur des certitudes qui, elles, sont indéniables. Donc Satan, c'est des certitudes dangereuses, quoi. C'est le faux soleil. Donc dès quelqu'un est brillant, a des très belles paroles, parle très bien, arrive à convaincre tout le monde avec des arguments très très bons, mais qu'il est au service du mensonge, c'est un sataniste. Bon, il n'y a pas besoin de griller des petits enfants sur des broches ou toutes les conneries comme on entend sur Internet. Ça, c'est bien sûr, il y a des fous qui existent, mais enfin, c'est pas ça. Donc, il est vrai que, on va le voir plus loin, que les gens qui sont affiliés en fait aux forces sataniques ont en général un problème également sexuel qui va avec. Mais bon, faut pas trop caricaturer les choses, c'est pas pour fabriquer un mal vraiment très très visible, genre film d'horreur avec comme les Pizzagate qui a permis à Trump de passer, quoi. Il y a un pauvre type qui a été tiré au pistolet mitrailleur contre le propriétaire de la pizza. Heureusement, il a blessé personne, il savait pas tirer, qui avait été adombré par les conneries trumpiennes là.
Je rappelle que Trump a été mis au pouvoir par Poutine. Si vous cherchez les origines des choses, vous les avez avec ce que j'ai dit précédemment. Donc, voilà. Évidemment, dans le sous-sol à pizza, il y avait des enfants qui étaient violés sans cesse pour faire augmenter l'énergie. Tout ça est complètement idiot. Il n'y a pas besoin de ça. Enfin bon, bref. Vous faites monter l'énergie justement de ces gens-là en croyant des conneries pareilles. À chaque fois, vous mettez j'aime à YouTube qui raconte conneries pareilles. Vous faites monter le Satan. Parce que le Satan, c'est de l'ignorance avant tout. Bref, le type, après les flics, il y a un flic qui a été plus intelligent que les autres, on le fout en prison, il a dit, bon, écoute, mec, je comprends que tu as voulu faire ça pour sauver des gens, parce qu'il y avait peut-être des enfants, et moi aussi, je déteste les gens qui font du mal, les pédérastes qui choquent les enfants, et qui font du mal, et qui sont toujours des pervers profonds. Moi aussi, je déteste ça, mais je vais te prouver que tu t'es trompé de cause, et ils ont été voir la cave ensemble de la pizza. Bon, déjà, il y avait une cave, il n'y avait pas de cave, il y avait un truc d'un mètre carré pour mettre des bouteilles de vin, comme dans tout restaurant. Et il lui a montré le plan du métro qui passe en dessous, et donc il n'y avait pas la place pour faire une cave, il n'y avait jamais eu de cave. Donc c'était waouh! Et le type, il a cru ça. Donc faites gaffe. Les anti-satanistes forcenés sont aussi satanistes que les satanistes. Donc, alors voilà, Satan c'est ça. Du point de vue concret, évidemment, ça va être des pouvoirs politiques, des pouvoirs économiques, des pouvoirs dogmatiques. Que ce soit les talibans ou les grands économistes, tout ça, ils peuvent être, sans des fois le savoir d'ailleurs, au service de Satan. Les talibans, vous leur dites ça, ils sont furieux, parce qu'ils se croient au service de Allah. Mais non, ils sont au service de Satan. Les hiérarchies de domination, quelles qu'elles soient, dès que vous dominez les autres par la peur et tout ça, ben c'est ce qui se passe au moment. Il y a bien une domination qui se fait par la peur pour attention, si vous ne faites pas piquer, vous aurez ci ou ça. Bon, ben voilà. On menace, et c'est bien. Donc c'est bien une méthode satanique. Dès que l'argument c'est la peur, c'est les totalitarismes, non évidemment, ou les mafias de toutes sortes, y compris les mafias étatiques, hein. Parce que les mafias que la police court après, évidemment. Enfin, elle court pas trop vite après non plus, parce qu'il y a des liens quand même entre les mafias et les pouvoirs politiques. Bon, bref. Voilà ce que c'est le pouvoir sataniste. Donc ça c'est lié au soleil, et c'est l'Uranus à l'envers. Donc l'Uranus en taureau, en ce moment, il est fort satanique, on le voit en poupe. Parce que l'Uranus à l'envers, il est au service, c'est l'octave supérieure des forces solaires. Alors, on va parler d'Ariman et Lucifer vite fait, juste pour donner un aperçu, parce qu'après, il y a d'autres choses, j'ai parlé des Siloka, ben justement, les Siloka, c'est ça, il y a les Asuras, les Devas d'abord, tout en haut, les Asuras, les humains, ensuite il y a les animaux, les enfers froids et les enfers chauds. Et avec ces Siloka, vous avez les 6 strates d'êtres qui existent dans notre cosmos actuel. Les Asuras, on pourrait dire, sont entre le Soleil et Mercure, les Devas sont entre le Soleil et Vénus, et entre Mercure et Vénus, ce sont les humains. Et à chaque fois, donc c'est un mandala que je vous lis, c'est un triangle, donc, et vous pouvez le résumer comme ça. Alors, les planètes que j'utilise ont un rapport aussi, par exemple, les Devas sont complètement liés à la sphère proserpinienne, ils jouissent totalement d'une espèce de bonheur dû à leur positivité parfaite et au fait qu'ils têtent la lumière divine sans se rendre compte de ce que leur implique comme responsabilité pour faire avancer la Terre. On trouve ça dans certains orientalismes où on se réfugie dans des lumières, dans des faux éveils, en fait, qui sont réels du point de vue que certaines ces gens-là ne sont plus dans l'ego, mais comme ils ne font rien pour aider les autres êtres, ils se contentent de témoigner de leur merveilleux éveil et de surtout pas se frotter à l'impureté de gens qui ne le seraient pas, bah en fait ils sont dans l'illusion d'évique. Les Asuras, c'est des gens beaucoup plus guerriers, hein, c'est les chefs d'entreprise, c'est les politiques, c'est ceux qui dominent le monde actuellement, c'est lié à Bacchus évidemment, c'est la jouissance, l'ubris liée à la jouissance des pouvoirs de l'argent, des pouvoirs politiques, des pouvoirs de la gloire, du succès. On trouve chercher les stars aussi, les stars de cinéma, enfin on peut trouver ça chez tout le monde, et les gens qui fonctionnent avec des drogues excitantes pour avoir encore plus de facultés, pour doubler soi-disant leurs facultés, et qui font marcher un commerce mafieux horrible sans se préoccuper de ce qu'il y a derrière. Les traders, hein, celui qui fait bouger tout d'un coup 10 000 dollars d'un coup pour en toucher 20 000 après,
Et donc, qui tripote des petits claviers pour faire bouger les trucs, puis après qui tripote dans l'autre sens. À chaque fois qu'il a tripoté un clavier, il a réduit à la pauvreté une centaine d'ouvriers, quoi. Il s'en fout complètement, il veut même pas le savoir, tête dans le sable, politique de l'autruche. Et il est content parce qu'il dit, oh putain, yes, je me suis fait 10 000 euros d'un coup en quelques secondes. Et ouais, et combien ça a coûté en amont, évidemment. À chaque fois que vous faites ça, vous touchez à du vivant derrière, à des gens qui travaillent, qui ont des emplois, et qui d'un coup vont voir venir, bah, évidemment, quelqu'un qui va devoir racheter l'entreprise, comme notre saint tapis, qui est OM, OM. Home tapis. Il a été sanctifié par tout le monde qui, lui, était spécialiste de ça. Il rachetait des entreprises, soi-disant pour les sauver. Et évidemment, il faisait exactement l'inverse pour jouir pleinement de sa position d'Asura. C'est un vrai Asura, lui. C'est-à-dire, on appelle ça un démon en français. Et donc, il rachetait le truc. Loin de sauver l'entreprise, il se débrouillait pour piller tous les avoirs qu'il y avait dedans. Puis une fois que c'était sucé à fond, ben il revendait la coque vide, voilà, pour encore récupérer de l'argent, évidemment en ayant le regret d'annoncer aux ouvriers que bon ben c'était, on pouvait rien faire, hein, c'était foutu. Là, les ouvriers, tout d'un coup, une fois que tout était vide, qu'il n'y avait plus rien, ils disaient oh putain, mais on devrait faire un truc d'autogestion pour pouvoir prendre en main les usines, parce que je suis sûr que ben, bien sûr, vous auriez pu, si vous y aviez pensé plus tôt, vous auriez pu faire vivre cette usine parfaitement et créer une économie. Mais ces gens-là se foutent de l'économie réelle, ils ne vivent que dans l'économie virtuelle. Et ils deviennent très très riches concrètement. L'économie virtuelle permet de devenir très concrètement riche. Et c'est vous qui êtes dans le virtuel en croyant que votre patron veut vraiment le bien de votre entreprise. Il veut son bien à lui grâce à votre effort dans l'entreprise. Le capitalisme n'est pas mort et les doctrines marxistes sont totalement valables, même si les solutions qu'elles donnent ne sont pas valables. L'analyse économique de Marx et d'Engels était complètement valable. Donc, les humains donc sont entre Ahriman et Lucifer. Alors Ahriman, c'est quoi? Bah, c'est la technoscience, justement. C'est l'aspect mercurien, c'est l'aspect la science qui se prend pour le maître du monde. Évidemment, il y a même la planète Vulcain qui va avec. Moi, il y a quatre planètes hypothétiques que j'utilise qui me permettent d'avoir vraiment une profondeur d'analyse astrologique. C'est Proserpine, appelée Corée à tort dans les logiciels, Bacchus, qui existe maintenant depuis très peu de temps, moi je dis depuis 25 ans, mais il est utilisé maintenant, il trouve maintenant dans le logiciel d'Horéas, je fais la pub pour Horéas, et Apollon, que j'ai pas encore mis dans le logiciel Horéas, il n'en tient qu'à moi de le faire, mais j'ai une vie très difficile, hein, je rappelle, à cause de la maladie qu'on m'a créée. Je compte le faire. Et Vulcain, qui a été, grâce aux travaux de Jean Billon, qui est un vrai maître de l'astrologie holistique, qui a été celui avec qui j'ai appris, qui a réussi à faire installer également Vulcain sur Auréas. Donc voilà pour les techniciens astrologues. Donc technoscientisme, matérialisme, le nihilisme athée, évidemment, tout ce qui nie toute existence d'une quelconque transcendance, alors qu'on n'a pas plus de preuves de l'existence de Dieu qu'on a de preuves de sa non-existence, je signale au passage. Mais bon, ces gens-là sont dogmatiques au possible parce que eux, ils croient dans le non-Dieu, avec une ferveur aussi, et même un terrorisme qui est aussi fanatique que les talibans. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont une fake science, ce qu'on appelle la fake science aux États-Unis, c'est-à-dire une science fausse à leur service, une science qui ne contient pas toute la science. Moi, je suis pour la méthodologie scientifique, c'est ce que j'ai appliqué en astrologie, qui permet d'avoir une astrologie extrêmement solide et scientifique également. Mais dans la fake science, on enlève toute la partie non matérialiste de la science. Dès que vous étudiez les énergies, vous étudiez le vrai fonctionnement du corps, si vous étudiez même les ondes électromagnétiques, qui sont pourtant de la science, ben non, vous n'avez pas le droit. Vous avez le droit d'utiliser les ondes électromagnétiques pour fabriquer des portables, mais vous n'avez pas le droit d'étudier pour voir comment les ondes électromagnétiques agissent sur le corps et comment même le corps agit, le cerveau en particulier, agit à partir d'ondes électromagnétiques pour fonctionner, pour penser, pour diriger le corps et le garder en bonne santé. Donc ça, il n'y a pas le droit d'étudier. Évidemment, ceux qui étudiaient uniquement l'aspect technologique de ces électromagnétismes, ça, ben, ils vont vers le robotisme, vers le transhumanisme. Alors leur curé, ce sont les zététistes, hein, qui sont persuadés d'avoir la saine vérité, l'évangile de la vérité zététiste, qui nous dit tout ce qui est faux, sans même l'avoir jamais vérifié, et qui essaie de ridiculiser toutes les personnes qui sont un petit peu branchées sur quelque chose de scientifique dans ces domaines-là. Alors, évidemment, c'est facile, ils vont brancher
comment dire, des faux exemples de gens qui sont... Et il y en a, hein, il y en a. Je reconnais que c'est pas difficile d'être zététiste. Moi, je peux prendre n'importe quel certain collègue astrologue et qui disent n'importe quoi. Et évidemment, on peut ridiculiser ça facilement d'un point de vue scientifique. Seulement, ils ont jamais eu affaire à moi, bah, parce que si c'est de vérifier mes travaux, ben, il n'y a pas de problème. Les prévisions ont la plupart fonctionné. La plupart, hein. Il y a quelques erreurs, mais par rapport aux économistes ou politiques, j'ai 10 fois moins d'erreurs qu'eux, donc moi je veux bien qu'on me pointe mes erreurs, mais alors à ce moment-là, et vos économistes et vos politiciens qui s'appuient sur des tas de théories sociologiques et tout ça, comment ça se fait qu'ils tombent 10 fois plus que moi à chercher l'erreur? Parce qu'ils n'ont pas de vraies sciences à leur service, ils ont des sciences tronquées. C'est de la science quand même, mais c'est tronqué. Donc il manque une synthèse des sciences de manière à retrouver... et ce qui permettait cette synthèse autrefois, c'était l'astrologie. Non pas en une utilisation connue qui est de faire certaines prévisions, mais dans son utilisation symbolique pour voir comment fonctionnent toutes les forces en présence, quelles qu'elles soient, économie, science, et c'est ce que j'utilise, c'est vraiment merveilleux. Hein. Ça permet d'avoir une clarté dans n'importe quel domaine, ce qui fait que les grands scientifiques devraient tous étudier l'astrologie pour mieux avancer dans leur domaine, qu'ils soient biologistes, qu'ils soient dans le domaine aussi de la psychologie, d'ailleurs aux États-Unis, l'astrologie est enseignée dans les facs de psycho, hein. Vous dites ça à les Français, oh, qu'est-ce qu'ils racontent? Ben, cherchez, vous verrez, c'est vrai. Einstein avait étudié l'astrologie. Enfin, les grands esprits, de toute façon, Newton était astrologue également. Donc, les grands esprits ont tous été, enfin, pas tous, j'exagère, mais beaucoup ont été astrologues sans aucun problème, hein. C'est une science vérifiable. Alors ça, c'est pour le côté Ahriman, donc ce côté science, technoscience, robotique, transhumanisme, tout cet esclavage des portables, des technologies dans lesquelles on est actuellement, qui fait que un copain qui m'a envoyé une petite BD rigolote où on voit un type on voit Saint-Pierre qui cause à un autre archange là qui est au paradis, il voit de mais qu'est-ce qu'ils ont les nouveaux arrivants, c'est bizarre là, ils se relaxent pas d'être au paradis, ils sont là et ils regardent leurs mains avec des petits mouvements rapides avec un air triste. Et oui, ils ont plus leur portable, les technosciences ne vous l'emmènera pas avec vous, les linceuls n'ont pas de poche, ni votre fric ni votre portable. Oh, quelle horreur. Alors bon, c'est une blague évidemment, mais je la trouve bonne avec les types qui sont, tu vois, les pauvres types en train de regarder leurs mains avec l'air triste et puis remuent leurs pouces pour essayer de taper des SMS qui n'existent plus. Ah, ils ne peuvent plus communiquer. Ils ne savent pas communiquer avec leurs voisins, ni avec les anges à côté d'eux évidemment. C'est ça la grosse perte. C'est pas que l'écran soit mauvais, c'est que pendant que tu es devant ton écran, tu n'es pas en train de communiquer avec ton âme et la vie est très courte, très très courte. Tout ce temps passé, tu aurais pu le prendre pour communiquer avec ton âme. Alors l'aspect luciférien, bien évidemment, c'est Vénus, hein, c'est l'aspect plus féminin, l'autre est plus masculin, Riemann, Riemann, c'est les machines, la robotique, c'est ce qui nous amène vers ce que souvent décrit la science-fiction d'ailleurs assez bien, les bouquins de science-fiction que j'ai décrivent ça assez bien. Lucifer, c'est moins souvent décrit, ou c'est décrit dans des films un peu, ou d'horreur, ou de comme ça, mais c'est pas horrible Lucifer, c'est au contraire très, très tentant, très, très séduisant. Alors, c'est ce qu'on appelle 666, le 6 c'est le chiffre de l'harmonie, c'est l'harmonie qui se prend pour Dieu, quoi. C'est le nouillage, j'appelle ça. On devient tous des plats de nouilles positifs. C'est l'hédonisme aussi, hein. C'est le culte des apparences, hein. Les appâts, les beaux appâts, rances, qui vont sentir mauvais au bout d'un moment, ces appâts. Comme le scandale des faux seins, là. Donc c'est le look, c'est les selfies, c'est les modes, ça touche beaucoup. Alors de même, les Ahrimaniens sont souvent des hommes qui se croient très très masculins, de même les femmes qui se croient très très féminines sont souvent dans le luciférien, c'est-à-dire ah, t'as vu comment on s'habille, je sais plus quoi, quelle vedette là. C'est plus Madonna maintenant, mais c'est d'autres, Rihanna et tout ça. Ah, je veux le même truc qu'elle et ça y est, si on porte le même truc qu'elle, ça y est, on se sent plus. Bon, voilà, chacun, il n'y a pas de raison que les femmes soient à l'abri de l'ignorance. Voilà, elles ont leur piège, elles aussi. Les différentes addictions, évidemment, tous les gens qui sont dans les addictions, que ce soit alcoolique, drogue ou les écrans, évidemment, on en a déjà parlé. Alors, tout ce qui est porno, SM, BDSM, enfin, je sais plus comment, tous ces trucs, voilà, qui sont des vrais élans, vitaux, hein, qui sont détournés dans des trucs un peu glauques.
on pourrait dire sex, drugs and rock and roll, si on veut, quoi. Tout ce qui va détourner, en fait, une belle énergie vitale. Parce que dans le rock and roll, il y a une super belle énergie vitale, quoi. Moi, j'adore certains morceaux, c'est pas pour ça, mais, j'ai à peu près un thème qui ressemble à celui de Lou Reed, qui a vécu cet enfer très jeune, qui était une espèce d'indigo, un petit peu homosexuel, qui a été torturé étant jeune, parce que, bon, ils ont essayé de le guérir de son homosexualité par des électrochocs, enfin bon, c'est pas évident, c'est forcé qu'après il essaie de diriger vers l'héroïne et tout ça. I'm waiting for my man, vous connaissez la chanson, c'est quand même quelque chose de terrible. Donc tous les illusionnismes, les mystifications, que ce soit viennent de YouTube ou pour les fils de pub, comme j'avais les fils de pub, comme je les appelle, jeu de mots, les fils de pub, les filles de pub aussi. Hein. Et voilà, tout ça, c'est tout ce qu'on vous balance comme illusion, qu'on vous fait désirer, tout ce qu'on vous fait désirer à tort, ou la manière dont on va vous séduire pour les élections. Là, ils sont tous en train de vous faire la danse du ventre devant vous là en ce moment. Oh, il y en a qui sont, c'est plus moins joli à entendre. Voilà, voilà ce que voilà le danger. Voilà ce que j'avais à dire. Bon, en tout, vous aurez une petite heure à écouter. Vous pouvez le faire en trois fois, comme vous voulez. Et évidemment, en dessous, il y a le niveau de ceux qui subissent tout ça. Bah, les enfers froids, les enfers chauds, c'est les forces de l'ordre. Les enfers froids, c'est les prêtas, c'est-à-dire les névroses et normoses, les dominés, les soumis, les déprimés, les travailleurs, les producteurs, les paysans qui se tuent au travail. Sans... Tout ça, c'est ceux qui subissent cette espèce de pyramide horrible. Que cette pyramide avec un œil au milieu qui peut être effectivement non pas l'œil de Dieu, le grand architecte, mais qui peut être l'œil de Satan si on ne fait pas le lien avec l'âme à l'intérieur. Le Dieu peut devenir Satan, les talibans nous le prouvent bien, ou les djihadistes. Et puis l'aspect politique d'un côté, l'aspect économique de l'autre, qui sont Saturne d'un côté, Jupiter de l'autre. Puis lune, Neptune, les névroses, tout ça. Et puis les animaux tués, les climats, les géants, les planètes, tout ça, ça représente le côté carrément les animaux qui sont... Tous les animaux qui représentent l'aspect écologique, les biotopes qui sont méprisés, écrasés, tout ça. Tout ça, c'est... Donc on a bien les six lokas, mais ils dépendent de la compréhension en tant qu'humain qu'on a les trois lokas supérieurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on place au-dessus de nous ? À quoi on obéit hiérarchiquement ? Est-ce qu'on obéit à l'âme, et donc à ce qu'on appelle Dieu, conscience, amour, vérité au-dessus ? Ou est-ce qu'on obéit à la Trinité, Satan, Ahriman, Lucifer, qui est très très puissant en ce moment et ce mois-ci ? Voilà, j'ai fini cette fois. Oh là là, qu'est-ce qu'il parle le mec ? C'est trop. Allez, bonne méditation. À ce soir, tous ensemble en méditation, si vous avez eu le temps d'écouter l'heure. Je vous dis de surtout trouver les heures, elles sont très importantes les heures, par vous-même, parce que je ne peux pas aller sur vous donner ça autrement, et je suis souvent en retard pour faire mes enregistrements, et c'est pas la faute de ceux qui le mettent, aussi il leur faut du temps pour les mettre, donc voilà, bonne écoute de tout ça, au mois prochain, si je peux, parce que ça va être difficile le mois prochain, sûrement pour moi, à cause de ce que j'ai déjà décrit, si vous avez bien compris, vous avez écouté avec compassion, vous avez compris pourquoi, j'espère que je serai encore vivant. Il faut se préparer à la mort, on va tous mourir de toute façon. Donc on verra bien. Au revoir, bonne continuation à tous.